This is Sparta! Alright, man, je suis Justin, on se retrouve sur la suite de mon outil, hell yeah. Fait que là, on va faire des petites quêtes secondaires, level up un petit peu. J'en ai une coupe. Ici, j'en ai une coupe. Niveau 34. 34 et 34 lui aussi, je crois, oui. C'est quoi elle, celle-là? Ah, ouais. Non, niveau 36, je peux pas la faire. Non, fait que let's go. On va level up un petit peu avant d'aller faire notre quête principale, encore une fois. Essayer de se donner des chances. Bon, c'est qui est lui-là, là? T'as l'autre bout. Juste pour être sûr, lui, niveau quoi? Niveau 34, je peux pas à faire. Il y en a des fois des quêtes qui sont pas longues à faire, comme qu'il y en a qui sont crissement longues. Jamais je n'aurais cru que tu tomberais aussi bas. Alexio, je t'en prie. Si ces idiots violent la trêve. Ouais, hey, radote. Voleur! Tu peux parler! Espèce de sale traître! Calmez-vous. Personne ne veut d'ennui ici. Vous savez ce qui se passe si la trêve n'est pas respectée. Maintenant, si quelqu'un veut bien m'expliquer. Cette espèce de chien galeux sans honneur m'a volé! Tu me traites de voleur? C'est toi le voleur! Assez! C'est moi qui pose les questions. Pourquoi vous accusez-vous l'un l'autre? C'est bien eu vol. Pourquoi vous soupçonnez-vous l'un l'autre? Parce que ce... C'est une affaire de sang. Makkar est d'une grande lignée d'Orienne, de puissants guerriers, mais assez austères. Tandis que l'Elex est d'origine ionienne, avec une importante tradition d'artistes et de philosophes. De débauchés, plutôt! Attendez. Tout le monde a la parole. Bah, des paroles d'Ionien. J'ai du mal à croire qu'ils aient pu se voler en même temps. Il faut que tu trouves qui leur a pris leur argent. Un vol mutuel est improbable, tu as raison. Ils se détestent, mais ils ont toujours respecté la trêve olympique. Je vais découvrir ce qui s'est passé et protéger la trêve. Si tu prouves que c'est Makkar, je te récompenserai. Si tu apportes la preuve de la duplicité de l'Elex, moi aussi. Et si ce n'est pas l'un de vous? Alors, les deux te récompenseront. Très bien. D'accord. Parfait. Vous mon flip? Attends, là. Tu as vu quelque chose? Non, rien. Rien du tout. Et même moins que rien. Il louche. Donc tu as vu quelque chose? Eh bien, seulement si on compte les torches. Elles ont approché comme des spectres. Il devait bien y en avoir une trentaine. Les torches ont approché de toi? Et s'il y en avait 30, pourquoi ne voit-on pas leurs traces? Des sandales en daim très souples, ça ne laisse pas de traces. Et puis... difficile de dire combien ils étaient, j'étais assommé. Arrête de mentir. Dis-moi la vérité ou je t'arrache la peau. C'est toi le voleur? Non, je t'en prie. Écoute, ce n'était pas moi. Je me suis endormi, je n'ai rien vu, à part les torches. Et tu n'es pas allé voir? Je ne voulais pas partir d'ici. Mais on t'avait déjà volé. Peut-être. Mais si j'étais parti... on m'aurait accusé de désertion. Très bien, je te laisse reprendre ton travail. Ces cryptes ont été ouvertes, mais il n'y a pas de traces d'effraction.
Quelqu'un qui est déjà rentré ici, bon. Un message. Prends tout ce que tu pourras et retrouve-moi aux ruines. Oh. Là où nous avons succombé à la chair. Nous serons bientôt libres. La vallée de l'Impie. Dans les ruines. Ah, j'ai déjà été. J'ai déjà été là. Il y a un tombeau à quelque part, là. Drette là. Ha! Asti. J'ai entendu parler de ruines hors de la ville. Et d'après le garde, les torches allaient dans cette direction. Cool. J'ai trouvé qui a commis vol. Ça fait pogner, hein? Les tabarnak. Très bien, les voleurs. Je vous ai enfin trouvé. Pitié, nous ne sommes pas des voleurs! Mais vous êtes ici avec des biens volés. Tu ne comprends pas. Ils nous appartiennent. C'est notre héritage. Comment tout cela pourrait-il être à vous? Ça appartient à nos familles, et par le sang, ça nous revient. Si c'est déjà à vous, pourquoi ne pas attendre? Pourquoi voler ça maintenant? Nous voulions une nouvelle vie, où nous pourrions être libres, sans devoir nous aimer en cachette. Mais vous êtes qui, au juste? Elle est ma fille, et c'est son fils! Père! Ah! C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir élevé? En t'enfuyant avec une femme qui est la fille de mon ennemi! Pourquoi ne pas oublier votre querelle, comme l'ont fait vos enfants? Tu es Mystios! Fais ton devoir et tue ces voleurs! Quoi? Je te verserai une jolie somme. Père, non! Je suis d'accord. Je te donnerai autant que Makkar. Fais ce pour quoi on t'a engagé. Ils veulent que je... vos fils et filles respectifs? Nous avons d'autres enfants. Alors, tu es un Mystios ou pas? Hein? Je ne tuerai pas d'innocents. Pour l'avenir de votre famille, c'est vous qui devez disparaître. Oh! Oh fuck, je suis buggy, Carlis. Désolé d'avoir tué... Désolé d'avoir tué vos pères. Hein. Je n'ai pas voulu tout cela. Mais nous allons pouvoir bâtir un autre avenir pour nos familles, fondé sur l'amour. Je vous souhaite bonne chance. C'est dégueulasse, pareil, qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Tuer les voleurs, si c'est leurs enfants, tabarnak. Fait que tu vois, c'est une mission simple, vraiment simple, qui m'a donné beaucoup d'XP. Bon. Là, j'ai une nouvelle épée. Ah, je suis à niveau 35. Wow, hein, 1288. Mais elle a le plus de potentiel, elle est vraiment plus forte, elle.
Bon, on va retourner faire notre mission. Ben, une autre mission. Ah, si, maintenant que j'aille ça quand je bug dans même. Les autres, c'est quoi qu'ils veulent? Hello. Kéré, besoin des services d'un mercenaire? Je courais, et un lion me poursuivait. J'ai voulu me réfugier dans cette grotte, mais un ours m'en a chassé, et il y en avait d'autres. Est-ce que tu as vu? Est-ce que le lion... Malak? Tu veux que je trouve et que je tue tous ces ours? Oui, exactement. Ok. Je suis la personne qu'il te faut. Puissent les dieux t'accompagner. Laisse-moi faire. Ça peut être de... ça peut être de l'XP facile, ça. J'ai plus de flèches déjà. Ah, je m'en souviens plus comment faire mon esti d'attaque de flèche. Ok, c'est ces deux là. Je sais pas pourquoi, mais je viens d'avoir un esti blanc de mémoire de malade. Bon. Et voilà, de l'XP facile. Il y a un mercenaire juste là. Tu es de retour? Tu les as tués? Je me suis occupé de ces problèmes. Jusqu'au dernier. Tu as fait du bon travail. Tiens, voilà pour toi. Une journée comme les autres. Bon. La petite XP. Vite fait quand même. Opa, opa. Bon, là je retourne dans la ville, faire d'autres quêtes. Fuck, j'ai manqué là, mon bois d'olivier. Y'en a un là. T'es. Qu'est-ce qu'il y en a un ici? Bon, juste pour voir si niveau 34, c'est parfait, je peux le faire. Ah! Non, ce quête-là m'intéresserait peut-être plus. Kéré, besoin des services d'un mercenaire? Encore toi? Toi, enfant bien-aimé de Zeus et d'Héra, tu es l'être le plus important à avoir jamais vécu. Ok. J'ai fait plus que n'importe quel mortel. Jusqu'à ce qu'un autre mortel fasse mieux. Mais non, tu resteras jamais un puissant guerrier. Tu as été pour moi une source d'inspiration, Mystios. Oh. Comment ça? En remportant les Jeux Olympiques,
Tu m'as fait comprendre que je perdais mon temps à vénérer Poséidon, alors que je devais me consacrer à Zeus. Et maintenant ? Avant tes exploits, j'avais érigé un sanctuaire à Poséidon. Maintenant, j'aimerais qu'il retourne à la poussière. Mais des bêtes sont attirées par les sacrifices que j'ai faits là-bas. Alors tu veux que je tue toutes ces bêtes ? Encore. Oui, tu dois égorger toutes ces bêtes. Tu acceptes ? D'accord, ce sera fait. Tu ne manques pas de bravoure. Bonne chance. Laisse-moi faire. Les cailles de main, c'est le temps de tuer des esti de bêtes. Le temps, il est bête, mon sang, mais si, vas-tu mouiller? Ah, il mouille déjà. Chris, mon gars, j'ai du bois en tabarnak, là. Hein? Ils sont dans une grotte? Sûrement, si, je peux même pas y aller. Ça va avoir une entrée quelque part là. Là, y a-t-il une grotte ou y en a pas là, man? Par où je vais? Par où je rentre? J'ai même pas une nestée indication, man. C'est un bug, esti, c'est quoi? Tuer les ours, encore. Je sais pas comment où aller là. Et sa quête, elle va se fourrer dans le cul, man. Je perds mon temps. Oh, oh, je la mords, bestie. Petite calice. Arrête de te sauver, crise de cheval d'épée. Non, mais fuck you. Ah! Ok. Ah, ah. Je l'ai trouvé, je crois. Il va y avoir une grotte, je pense, plus bas. Non! Calice. Yeah! C'est une grotte, là, quelque part? Une affaire de Poséidon, fait que ça doit être dans l'eau. Non, y a rien. Ah oui. Ah non, y a rien pendant tout. Ça ressemble à une entrée d'une grotte.
Pas d'air d'avoir une grotte nulle part. Bon, mais qui mange la marde? Qui mange la marde? On va aller faire la quête là à place. Niveau 34, je peux la faire. Venez parier! Allez, venez parier! Venez parier avec moi! Allez, Tess va vous faire gagner une montagne de drachmes. Tu devrais travailler tes annonces. Tu attirerais davantage de clients si tu avais l'air plus... enthousiaste. Tout le monde parie contre Pithecos. Il paraît qu'il n'est plus en forme. Et si c'est vrai, je vais être ruiné. Je pourrais lui remonter une morale. Je pourrais faire mal à son adversaire. Je pourrais m'occuper de son adversaire. Si tu paies bien. C'est tentant, mais non. Enfin, pas cette fois. D'accord. Qu'est-ce que tu as en tête, alors? Contente-toi d'aller voir ce qui ne va pas. S'il y a un moyen de l'aider à gagner. Pour Athènes. Pour l'argent. Je vais aller voir ce qu'il y a à Pithecos. Merci. Si tu réussis à arranger ça, je partagerai les gains avec toi. Ok. Il va avoir besoin d'huile, lui et tout. Est-ce qu'il décide d'en faire la même, je te parie, là? Pithecos, Alétès m'envoie pour que je t'aide. C'est vrai? Tu sais faire des merveilles? Ça m'arrive. Mon javelot porte-bonheur est cassé. Tu peux le réparer? Tu n'es pas censé utiliser les javelots officiels? Si, mais c'était mon porte-bonheur. Je ne peux pas gagner sans lui. La superstition doit être une habitude chez les athlètes. À vouloir trop plaire aux dieux. Écoute, mon javelot était creux, comme un roseau, et presque aussi léger. Mais il ressemblait à un modèle olympique. Si tu veux vraiment m'aider, apporte-moi un identique, et je gagnerai les jeux pour Athènes, et pour Alétès. Ne t'en fais pas, je vais t'apporter un javelot. Merci. Il me reste peut-être une chance de gagner. Il est plus léger. Bon, c'est où le plus proche? C'est là. Fait que le javelot, Osti, lui il est plus léger puis tout. Puis il ressemble à lui officiel. Lui officiel il est plus lourd. Fait que c'est normal qu'il gagne d'abord. En tout cas, c'est pas grave là. Ah, ça c'est pour les voler. Là tout le monde me voit. Malade d'en acheter un, Osti, c'est moins de troubles d'abord. Ah ouais, calice. Tu vends des javelots? Bien sûr! Tu as de la chance, il m'en reste quelques-uns. Avec les jeux, ils se vendent très bien. Mais est-ce qu'ils sont bons? Ce sont les meilleurs. Ils volent droit et loin. Mais ils coûtent cher. 2000! Ok. Je vais en prendre un. Merci! Et puisse-t-il aller loin? Coupe cher qu'un épée, calice. Je t'ai trouvé un javelot. Bien, montre-moi ça. Tiens. Prends ça. Hé, hey, ce javelot est incroyable. Bah cool. Léger, facile à manier, et surtout, il ressemble au vrai. Ravi d'avoir pu t'aider. Que Nicky t'accompagne, l'ami. Il faut que j'aille voir Alétès. Ah, te revoilà. Alors, c'est réglé? Bien sûr.
Excellent. Que dirais-tu de parier sur notre homme, alors? Ouais, pourquoi pas. On n'est jamais trop riche. Cash. Et il devrait gagner facilement. Wow, c'est une belle somme. L'épreuve aura lieu demain. Débrouille-toi pour être à l'heure. Ça m'a coûté 5000, si. Ça m'a coûté 5000, mais si je gagne 1000 de plus. Il faut que je reparle à lui, ouais. Où étais-tu? Tu as tout raté. Regarde ça. Quel lancer prodigieux. Ravi d'avoir pu t'aider. Maintenant, Alétès, pour ce qui est de mes gains. Bien sûr. La journée a été bonne. Moi, ouais, j'aimerais ça de l'avoir. Que la fortune continue à te sourire. Yeah! Si je l'aurais volé, là, ça aurait été un javelot olympique, puis il aurait même pas été bon. Je m'aurais fait pogner. Vitesse, charge d'arc, tir à l'arc, dégâts de chasseur. Lui, il me faisait quoi? Le feu, dégâts de la massue lourde. Ah, c'est quoi ça? Ah! Huilé, puis sans huile. C'est bien drôle. Tiens, je garde celle-là. Bon. Good, une bonne chose de faite. Là, il y a une quête là. Elle est 34. Elle est 36. Fait que c'est ça la droite qu'il faut que j'aille. La plus proche. C'est des quêtes cool ça, par exemple. J'aime ça, des affaires la même. Ça fait changement que tout le temps aller. Ah, vu que ça allait tuer lui, vu que ça allait tuer lui. Ah, c'est un plaisir de te voir. Ta beauté vient illuminer l'obscurité qui est devenue ma vie. Tabarnak. Content de te voir aussi, Phidias. Ah, ben ouais, mais... C'est important. C'est le sculpteur qu'on avait sauvé, il fait longtemps. Aussi, n'est-ce pas? Non, pourquoi? Tu es sûr de ne pas avoir été suivi? Bien, bien. Mais ils sont là, à observer, à attendre. Je suis en sûreté ici. Ah, mon bel innocent. Si seulement les dieux m'accordaient le temps de t'immortaliser dans le bronze. Tu auras le temps. Mais la trame de ma vie s'effiloche. Je vais avoir besoin de ton aide pour survivre. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es en danger? L'autre jour, j'ai reçu une citale et un message. Quelqu'un t'a envoyé un bout de bois et une note. Effectivement, je comprends ta frayeur. Oh, mais c'est beaucoup plus que ça. Que disait le message? Il disait, tourne-toi vers ton art. Le roi des dieux te transmet sa volonté. Eh bien voilà, ce n'est pas un message. C'est tout juste une énigme médiocre. Mais c'est évident. Le roi des dieux. Zeus? Oui. Et que suis-je? Oh, les réponses ne manquent pas. Mais... J'imagine que tu es un sculpteur. Exactement. Alors, où est-ce que je dois aller? Au temple de Zeus, bien sûr. Il est ici, à Olympie. L'indice relatif à la citale doit être près de la statue. D'accord. Ok. Si ça peut te rassérener, je vais t'aider. Merci. Va vite examiner la statue de Zeus dans son temple afin de trouver le message. Lorsque j'aurai l'indice, je pourrai le déchiffrer avec la citale. Ne t'inquiète pas, je reviendrai le plus vite possible. C'est sûrement ce que cherche Phidias. Pourquoi ma quête n'est pas active? Phidias s'inquiète trop. Ah oui, oui. Il n'a peut-être pas totalement tort. C'est en dedans du temple? Oh, salut de bout, petit tabarnak.
Attention, t'es beau. Qualité incroyable. Bien mieux que la statue de Kefalonia. Chris, tu es capable de monter sur une statue, Simonac? Tabarnak. Tu dois retourner voir Phidias pour qu'il puisse déchiffrer le message. Après ça, c'est fini, je gagne 5000 XP, pas 5000, si j'en donne 50 000, puis je level up et voilà. Ça serait le fun. Alors, que contenait le message? Il t'a fourni les informations que tu cherchais? D'une certaine manière. Le message que tu m'as remis, je l'ai enroulé autour de la baguette. Tu l'as enroulé autour de ta baguette? Oui, la citale. C'est ingénieux. Le bon message pour la bonne baguette. On enroule l'étoffe autour et les lettres s'alignent, révélant le message. Oui, c'est fascinant. Mais qu'est-ce qu'il contient? Ce sont des lieux. Bon, ne me fais pas languir. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? C'est une liste de statues et... il y a autre chose, mais c'est incomplet. Tu penses qu'on disposera du message complet après être allé voir toutes les statues? J'en déduis que oui. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour que tout cela reste secret. Peut-être que ça dévoilera l'identité de ceux qui cherchent à m'éliminer. Tu veux bien m'aider? Ah ouais. Dis-moi ce que je dois faire. Trois lieux sont indiqués. Chacune de ces régions abrite une statue d'un certain renom. Oh. Donc, normalement, sur chacune de ces statues, on trouvera un indice. Oui, mais le voyage sera long. Ces statues sont loin les unes des autres. Il y en a une près de Citer, une à Thasos et une autre à Samos. Si bon, hein. Je dois me mettre en route. Ça promet d'être long. Bien sûr. Et j'ai hâte de savoir où cela va nous mener. Ok, laisse-moi partir. Sois prudent, Phidias. Toi aussi. Et reviens me voir dès que tu auras tous les indices. Tu peux compter sur moi. Ouais. Ouais. Ce sera pas une tâche facile. Mais le contenu de ces messages doit être important. Ben, je fais ça, je vais faire ça, ça peut me rapporter beaucoup d'XP, je crois. Mais c'est tout dans les régions, fait que c'est pas grosse affaire. Il avait dit qu'il y en avait où, là, on va aller voir les petites guides parce que ça fiche pas. Ah, oh, c'est à l'autre bout. Je peux pas faire ça, esti, man. Tu que ça? On va faire ça une autre fois, esti, ça presse pas, là. Ça me tente pas pantoute. Cette quête-là, d'après moi, est niveau 36, je peux pas la faire. Elle, je peux pas la faire. Elle, je peux la faire. Il me reste une quête à faire. Un par là-bas, ouais. D'après moi, ça va pas me faire level up. Mais ça va quand même donner 17 000 XP juste aller chercher le message à Zeus au moins. Tu t'es déshonoré, tu fais honte au jeu. Je t'en prie, je peux t'expliquer. Pas d'excuses. Tu connais le prix de ta transgression. Quel crime cette femme a-t-elle commis? Ta question le résume. Son crime est d'être une femme. J'ignorais que c'était un crime. Tu devrais peut-être aller dans une cage, alors. Je suis la prêtresse de Déméter. C'est moi qui préside au jeu. Elle a essayé d'y assister alors qu'elle est une femme mariée et déguisée en homme, qui plus est. Ok, en quoi c'est un crime? En quoi est-ce donc un crime? Pour une femme mariée, il y a trop de... tentations. Ok. Elle ne mérite pas d'être punie ainsi. Ça, ce n'est rien. Le vrai châtiment, c'est la mort. Quoi? Elle sera jetée du haut de la montagne. Aide-moi. Prouve que j'ai le droit de voir concourir mon fils.
Tu n'as aucun droit. Tu as brisé une tradition sacrée et tu vas en subir les conséquences. Tes lois sont mauvaises et je vais le prouver. Puisque tu tiens tant à prendre sa défense, je vais te laisser une chance. Apporte-moi une preuve de la noble lignée de Kalipateira, sinon elle mourra conformément à la loi pour apaiser les dieux. Il faut que je trouve le fils de Kalipateira. Il devrait pouvoir prouver l'innocence de sa mère. C'est bien con, c'est... Préjugé à mort, c'est voyons. Fera pas grand chose, c'est plus crevé, c'est. Tu connais Kalipateira ? Ma foi, pas très bien. Mais elle adore son fils et elle fait toujours des offrandes. Des offrandes ? Pour son mari. C'est une femme très pieuse. Il a depuis longtemps franchi le Styx et il lui manque terriblement. Mais la mort vient pour tous. Merci, tu m'as été d'une grande aide. Tu connais Kalipateira ? Oh, je l'ai vu, oui. Toujours à traîner près des tentes des athlètes. C'est assez déplacé, si tu vois ce que je veux dire. Je n'en suis pas sûr. Tous ces jeunes corps fermes et huilés, ça donne des frissons. Les muscles, les poils, oh, c'est dégoûtant. Et c'est une femme mariée, en plus. Elle regarde la statue avec le pénis. Il n'y a pas de mal à regarder un homme bien fait. Si ? Mais si, si. Vous, les jeunes, vous pensez sans cesse avec votre entrejambe, et elle tout autant. Je l'ai vu retrouver un homme sur ce banc là-bas, presque tous les jours. Tu l'as vu retrouver un homme. Merci. Le poème Diagoras de Rhodes, dédicacé par Pindare en personne. Oh. Aka, sois toujours fière, petite. Ton père est le plus grand des champions de Pancrace. Je cherche le fils de Kalipateira. Tu le connais ? C'est bien, oui. C'est moi. Ta mère a été accusée de sacrilège. Quoi ? Comment ça ? Qu'est-il arrivé ? Attends, calme-toi. Me calmer ? Qui sait ce qu'on va lui faire ? Pour l'instant, elle va bien. Elle s'est faufilée dans le stade pour te voir. Et j'ai besoin de prouver qu'elle avait le droit de le faire. Si quelqu'un en a le droit, c'est bien ma mère. Ses frères étaient des champions, comme je le suis moi-même. Personne n'honore autant les jeux qu'elle. Merci. Reste là. Je me charge de prouver que ta mère avait le droit de suivre les jeux. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je t'ai toujours désiré. Kalipateira a un admirateur. Cette prêtresse semblait pressée de rendre sa sentence à propos de Kalipateira. Il faut que je les trouve, vite. Ah, déjà. Sans sa falaise. Il aurait pu rester là, Asti, ça m'a fait moins loin à aller. Ah, crée, j'ai ça, c'est ma bugue de même. Yeah.
T'attends pas de m'attendre, Asti. Que tu cherchais? Oui. Oui. Kallipateira est la fille de Diagoras. J'ai trouvé le poème sur Diagoras de Rhodes, dédicacé à sa famille par Pandar. Et ça prouve ses dires? J'ai parlé à son fils et à des gens qui la connaissent. C'est une femme digne, qui aime les jeux et respecte les dieux. Sa famille compte 3 générations de champions. Peut-être l'avons-nous jugé trop durement. Sa famille a contribué à l'héritage olympique. Comme tu le dis, ce serait une honte de salir un nom si prestigieux. Les dieux te pardonnent. Va. Merci. Merci. Et merci à toi. Personne ne mérite un tel sort. Bon, good. Bonne chose est faite. Yeah! Bon, j'ai pas level up, mais bon. Bon, c'est quoi la ceinture olympique que j'ai eue, là? Non, la mienne est vachement plus haute que ça, man. Vachement plus haute. Tiens. Bon, ben là, je pense que j'ai plus de quête à faire, là. Fait que je pense que je vais me rendre au dude là, à l'autre bout. J'ai un long chemin à faire, man. Puis c'est par où? C'est par là, alright. Bon, let's go. Allez. Yeah. J'ai un chemin en tabarnak à faire, mon gars. Au moins, ça fait changement que de prendre mon navire. Là. Au moins, ça se fait à pied. Là. Un ours. On va l'attirer vers la garde. Oups, excuse-moi. C'est toi qui as reculé sous moi. Tu sais, il recule sous moi, tabarnak. D'épée. Okay, ça fait quand même assez bien. Je suis en Arcadia. Peut-être pour ça que j'ai beaucoup de... Je suis recherché ici. Ok, je suis correct.
Ah, moi je continue en ligne droite, c'est pour ça. Faut que je passe par là. Qu'est-ce que c'est beau, man. À ce qu'on me remarque. What? Quoi cette place-là, man? Ah, c'est de l'argile. Pour ça que c'est rouge, quand même. Ok, good. Ah, ça c'était tout du sang, man. T'as le gars, moi, Chris, ça a aucun sens. Eh, il fait longtemps que je peux venir ici. Des caisses cette affaire un petit peu. Non, je les ai toutes faites. Ah, il y en a une autre par exemple. Arrête de frôler les gens. Je crois qu'elle s'appelle les caisses bleues pour eux. Je me souviens plus, bah oui, mais. Chris, pas devant moi, Chris, ta conne. Je vais juste passer à côté, c'ti. Tiens, l'eau est pas creuse. Il faudrait que je coupe plus vite, là. Ça m'aiderait. Là. Bon. Coupe plus vite, Simonac. Ah, c'était si boire. Bon, ok, là le cheval il est bugué, là, c'est plus ce qu'il va. Hey, c'est quand que je vais pogner ma route, là, puis. Ah, man, c'est tout dans les montagnes, puis tout. Fait dur, pas mal. C'est pas là que je vais aller, man. Tu sais, je vais juste passer par là. Là. Crissez-moi la paix, si boire. Coupe vite que le cheval assis dans les villes à pied. C'est quoi cette affaire là? Ah ben oui, c'est là! Ok, je suis déjà rendu ici, man. C'est bon, ok. Il m'en reste un. Ça fait longtemps que j'ai dit au roi aveugle, si que je le ferai à mission, là.
Megara. Aïe, j'étais niveau quoi, moi, quand je suis arrivé ici? Niveau 4, 5? Cours. Oh, il est assez. Alors, je vais monter ça aussi. Je vais le contourner. D'après moi, je pense que je peux le contourner. Ou peut-être pas. Ah yeah! Asti, je l'ai manqué. Parce que je sais, mon pouce et mon joystick, asti, puis quand je passe dessus, oh, des trucs de fer, asti. Le temps que je tasse mon pouce, asti, j'ai déjà passé de rette. Yeah, man, on arrive dans pas long. Je cherche... Toi? Stentor? Il est pas mort? C'est pas lui que j'avais tué? Je viens t'aider, pauvre idiot! Pas après Megaris, pas après ce que tu as fait! Le roi Archidamos de Sparte m'envoie vous aider à vous emparer de la région! Quelle belle preuve de confiance! Il m'envoie un chien de mercenaires! Les dieux me punissent en m'imposant ta présence. Si j'étais ta punition, tu serais déjà mort. Pourquoi les rois t'ont envoyé? Mon frère me manquait. Du calme, Stentor. Je suis là en tant qu'allié de Sparte, et de toi. Nous avons déjà travaillé ensemble. Nous pouvons recommencer. Ton aide en Megaris a peut-être offert la région à Sparte, mais j'y ai perdu beaucoup. Je n'aurais pas dû te faire confiance là-bas. Pourquoi je le ferais aujourd'hui? Tu devrais remercier les dieux de ma présence ici. Tu ne dois la vie qu'aux documents que tu détiens. Tu n'es pas un allié. Tu n'es qu'une arme. Alors mets-moi au travail. Tu n'es pas à la hauteur. On verra. Il y a 4 champions béotiens qui se battent pour les Athéniens. Aristaios, Deianeira, Nezaya et Dracon. Tu penses pouvoir les tuer? J'aimerais te voir essayer. Je te dis qu'on va y arriver. Oh. Je vais trouver ces champions et les envoyer chez Hadès. Je doute que ça soit aussi facile. Mais au moins, tu acceptes d'obéir aux ordres. Où vais-je trouver ces redoutables Béotiens? N'en connais que 2. On dit qu'Aristaios se trouve au fort de Gla. Quant à Nezaya, on l'a vu récemment dans la forêt à l'est de Thèbes. Plus vite ce sera réglé,
plus vite nous rallierons la Béotie à Sparte. Je l'ai collé en bas d'une falaise, esti. You. Mégaris, Mégaris, Mégaris. Hein, il traite là! Ça, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Ok, oui, trouver les champions. Mais comment faire les trouver, esti, si je suis à l'autre bout? Ah, ok, ils sont là. Ah, merde. J'ai pas le choix de level up, mon gars. Ok, je vais aller voir lui. Je vais faire lui tout de suite, au pire. Se trouve dans la ville d'Orchomenos, à l'ouest. La ville d'Orchomenos. C'est où ça, cette ville-là? Copaï, le lac Copaï. Ah! Ah! À l'ouest. Doit être à quelque part ici. Ah, puis j'ai une quête ici. Je vais la faire tant qu'à y être. What the fuck? Ah oui, je pense que je l'ai déjà vu cette affaire, moi. Moi, je suis là. Ok, on y va. On y va ou... Non, prochain épisode, je crois. Ouais, ouais. Bon, fait qu'on va se retrouver au prochain épisode, man. On va aller retrouver ces bonhommes-là, pis tout. Là, ça fait chier parce qu'il faut que je chaîne niveau 37, pis tout. Fait que... Ça va prendre un petit peu du temps, là. Faut que je fasse des quêtes, pis que je level up tranquillement, pas vite. Et c'est ça, il y a semaine, on se retrouve au prochain épisode. Ciao!